Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale. On va se faire un petit pack opening, deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne. C'est parti! Allez, c'est parti, on commence ce petit pack opening. Ah oui, il est petit, ouais, parce que j'ai pas de fric, moi je suis pauvre, ok? Voilà, tu comprends ça? Ouais, non, je sais pas, j'avais envie de le dire. Et donc, du coup, on commence par le coffre gratuit, c'est parti. Non, on recommence pas. Non, parce que il allait bien cette intro, non? Allez, c'est parti, 78 d'or, ça c'est plutôt pas mal. Eh, franchement, je me suis reposé ce week-end. Bon, je suis toujours autant fatigué. Mais putain, ça va mieux! Ah, désolé pour le gros, mais là, il fallait le dire, là. Oh, il fallait s'exprimer! Allez, une pierre tombale. 9 Tesla, ça c'est pas mal, ça. C'est pas ce que j'utilise, mais c'est pas mal, c'est déjà bien. Voilà, au moins les gens ils sont contents, tu vois, quand tu leur dis que c'est pas mal et tout. Parce que si tu leur dis, ouais, c'est pas ce que je veux, et bah du coup, tout de suite, oh, tu trouves ça nul, c'est ça? Mais non, je trouve pas ça nul, c'est juste que je l'utilise pas. Ouais, c'est parti, un petit géant. Mais pourquoi je l'utilise pas, ça? Allez, 9 flèches, ça par contre ça fait plaisir. Géant, flèche, magnifique. Allez hop, on ouvre les coffres d'or. Attention, 191 d'or, ça fait plaisir. 7500 piles, ça c'est cool. 6 esprits de glace, ça c'est... J'ai failli me tromper, hein. Ils sont toujours aussi mignons, les esprits de glace, hein, on va pas se cacher, mais je les utilise pas. 8 gobelins, c'est magnifique. 14 esprits de feu, bon, j'utilise pas. 4 chauchons de cochon, ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de bonnes troupes comme ça, là, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 163 d'or, c'est plutôt pas mal. 3 canons, ça fait plus ou moins plaisir, mais c'est vrai que tout ce qui est défensif, moi, j'ai du mal. 3 gargouilles, ça c'est de la balle. 3 sorciers, ouais, ça va. 23 esprits de feu, encore une fois, j'utilise pas. Et après, attention, le troisième coffre d'or, ça fait plaisir. Les gens, ils veulent qu'on aille vite. Bah, je vais vite, hein. 163 d'or, ça fait plaisir. 4 bombardiers, 4 archers, ça, mouah, magnifique. T'aurais pu en donner un peu plus, mais c'est déjà... Hop, 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 hop. 3 chevaucheurs de cochon, mais tu me fais plaisir, mon petit, tu me fais plaisir. Bon, c'est vrai que c'est pas la méga gargouille, mais c'est quand même 3 chevaucheurs de cochon, et je suis susceptible de l'utiliser avec mon deck, étant donné que avant j'utilisais ça sur mon deck. Ouais, donc attention, hop là, et maintenant on va ouvrir le coffre couronne, et pas le coffre magique. Attention, 468 d'or, oh là, retenez bien ce chiffre, 468 d'or. Moi je le retiens aussi, enfin si j'y arrive. Alors, 2 gemmes, ça fait plaisir, 2 mousquetaires, c'est déjà pas mal. 19 esprits de glace, ils me lâcheront jamais, malheureusement, ils sont glacés à mon sang. Attention, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, 4 golems de glace, attention, on est des fous. Et 39 Tesla. Bon, j'utilise pas malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Et attention, on va voir le petit coffre magique. Attention, si je me rappelle bien, c'était 3... Non, 468 d'or. Attention, 468 d'or. 637. Tu vois un petit peu le délire? Tu vois, entre 468 et 637, il n'y a pas une grosse marge, hein, il y a un coffre d'or, presque. Donc, franchement, c'est limite du foutage de... Voilà, bon, après je dis ça comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attention, une méga gargouille, ça commence déjà plutôt pas mal, j'ai l'impression que je suis en forme, joli, donc, 2 roquettes, bon, c'est pas ça, mais, disons que j'utilise pas pour une certaine raison que j'ai déjà évoquée, mais bon. Alors, du coup, 32 d'esprit de glace. Ouais, ils vont vraiment pas me lâcher ceux-là, hein. Je vais leur foutre 2-3 tartes là et chut. Comme ça ils pourront les manger et tout, voilà, petit jeu de mots. Alors 42 barbares, ça c'est plutôt pas mal. 7 sorciers. Bon, j'aime bien le sorcier, hein, mais bon, j'utilise pas malheureusement. 9 tourabons, ah, quel dommage. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre en épique? 3 miroirs, c'est déjà plutôt pas mal là. J'aurais bien aimé quand même tout ce qui est... Tout ce qui est quoi d'ailleurs? Ah oui, tout ce qui est ballon. Tout ce qui est ballon, c'est plutôt pas mal. À la limite, le gel, sorcière, ouais, le sorcière, ouais, disons que ça passe, sorcière, ballon, franchement, le kiff, hein, avec le géant, ça a toujours été un kiff, avec le petit sort de rage derrière, le mec, il s'y attend pas, tu vois, il a bam, 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 et hop là, plus de tour. Puis après, le sort de gel, bon, c'est vrai que il est pas mal, des fois, pour délirer, mais j'évite de l'utiliser, parce que bon, il y a des fois, c'est vraiment, ah, c'est vraiment, des fois, oh, ça énerve, hein. Quand t'es là, tu défends et tout, puis là, il met un sort de gel, boum, merde. Ouais, alors du coup, encore un petit gros mot, j'ai pas fait exprès. Et donc du coup, alors, on achète un max, ça fait plaisir, regarde-moi ça. Oh là là, bon, on va pas trop acheter non plus, on va acheter, hop, un petit prince ténébreux et quelques petites méga gargouilles, ça fait plaisir. Voilà, nickel, on s'est mis bien. Et donc du coup, on va se faire deux petites attaques et après, on ouvrira le coffre à couronne qui est juste là. C'est parti! Allez, c'est parti, on est contre Xil, qui est niveau 8, et ça, eh ben, c'est déjà bien. Voilà, votre chance, c'est parti. Hop là, donc, archer, attention.
Attention, attention. Non, c'est bon, on se calme. Déjà, tu vois, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Non, parce que généralement, je pars dans des délires et je te fais n'importe quoi. Et puis après, c'est du n'importe quoi. Et puis n'importe. Bon, voilà, du coup, alors. Tu vois, ça vient de se faire en plus. Hein. Bon, alors, du coup, il y a moyen quand même de. Un minimum. Un petit minimum, à la limite, si t'as envie, mais. Un minimum, quoi. Ouais. Allez, c'est qui le BG ? C'est bébé. C'est quel BG ? C'est bébé. Donc, du coup, ce qu'on va faire. Attendez, je vais vous montrer un truc. On va juste montrer. Regardez en bas, là où il y a ma flèche, là, au niveau de la méga gargouille en bas. En bas à droite. Regardez. Je vais faire genre tac. Attention, tac. T'as vu ? Alors, il n'y a pas de décalage, ok ? Bon. Non, mais au cas où, tu sais qu'il y en a qui pensent qu'il y a un décalage. Il n'y a jamais de décalage dans mes vidéos. Le seul décalage qu'il y a, c'est moi. C'est moi qui suis en décalé. Non, mais au cas où, des fois, tu sais, des fois, j'ai des réactions, mais genre, j'ai l'impression, quand je regarde ma vidéo, j'ai l'impression que c'est en décalé. Tu vois ? Mais alors que pas du tout. C'est juste que c'est moi, mes réactions à moi qui mettent 2 ans, c'est pour ça. Je mets 2 ans à avoir des réactions, c'est tout. Donc, ça passe. Ouais, mais c'est tranquillou, mon petit, hein, regarde-moi ça. C'est bon, ça. Eh, franchement, on se met bien, là, dès le début, là. Bon, c'est un niveau 8 aussi, c'est vrai que, bon, il a un peu moins de points de vie sur ses tours, mais bon, malgré tout, on se met bien quand même, hein, on se met très très bien. Alors, il y a moyen de faire quoi, là? Moi, je te dis, il y a moyen de mettre la Valkyrie. Je te dis qu'il y a moyen de mettre la Valkyrie. T'inquiète, je sais ce que je fais. Enfin, j'espère. Bon, bah, finalement, non, je sais pas ce que je fais. Quoi qu'il va, il va descendre. Oh non! Mais vas-y, tu l'as fait exprès, j'en suis sûr! Bah oui, il l'a fait exprès! Bon, c'est pas grave, on va envoyer ça et t'inquiète. Là, on fait du taf. S'il te plaît. Oui! Yes! Les archers niveau 11, c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi cool! Donc la méga gargouille. À la limite, on va envoyer la Valkyrie, au moins ça arrêtera de me saouler. Hop! Petite Valkyrie! Et hop! Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Regardez-moi ça là-haut, là! Ça fait plaisir, non? Si, ça fait plaisir. Regarde, en plus, il remet une sorcière, le petit. Oh, il remet une sorcière, le petit. Il remet une sorcière, mais elle a servi à rien, ta sorcière. Regarde, tu es full, je m'en bats les steaks, je suis full. Bon, alors, du coup, c'est parti, on envoie le petit prince ténébreux. Attention, attention. Attention, moi, je lave. Ouais, c'est bon, ça. Non, mais j'adore, franchement, je kiffe. Hein. Alors, du coup, on va envoyer de la méga gargouille. On va envoyer chevalier de glace. Chevalier de glace, et je vais me faire défoncer, c'est ça? Eh ouais, je vais me faire défoncer, malheureusement. Ça arrive. Quoi que ça va. Non, franchement, on défend plutôt bien, malgré qu'il est. Enfin, ma méga gagouille soit morte. Eh ben voilà, c'est easy. On va peut-être. Ah, j'aurais peut-être dû lui laisser la tour. Eh oui, mais je suis pas intelligent, moi. Si je lui aurais laissé la tour, j'aurais pu avoir les 3 étoiles. Enfin, les 3 couronnes, mais c'est pas très grave. En attendant, moi, je vais vous dire tout de suite. Voilà, je vais vous dire tout de suite pour une deuxième attaque. C'est parti. Eh, c'est parti, on est contre Aref qui est niveau 9 et on va envoyer le petit molosse de lave. Attention, on va envoyer peut-être les archers, mais non, on n'a pas d'assez d'élixir. Mais bordel, qu'est-ce qu'il fout ce jeu? Pourquoi il est aussi lent ce jeu? Pourquoi il est aussi lent? Est-ce que moi je suis lent, moi? Est-ce que moi je suis. Non, désolé. Vaut mieux que je sois lent. Vaut mieux que je sois à la vitesse du jeu, tu vois. Parce que sinon, laisse tomber, tu pètes un câble. Bon, alors, du coup, c'est parti, on envoie la méga. Mais c'est tellement lent ce jeu, c'est lent ce jeu, c'est. Regarde-moi ça, t'attends 2 ans et que ça fait clac. 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 Non, mais t'attends 2 ans, c'est un truc de malade, mon gars. Bon, hein, attends. C'est pour ça que j'aime bien la minute spéciale, tu vois. Parce que la minute spéciale, tu vois. Il devrait même aller encore plus vite. Genre, en une seconde, tu fais les 10 élixirs. Comme ça, tac, 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 tac. T'envoies de partout et tout, là, tac, 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 tac. Il devrait faire un mode spécial comme ça. Genre, élixir illimité, tu sais. Oh là 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 là, mais là, ça serait du kiff, là. Ça serait génial. Bon, alors, c'est parti, on envoie quoi? On envoie la Valkyrie. Je sais que c'est pas une bonne idée parce que j'aurais dû la garder pour après le géant. Mais avec de la chance, on sait jamais. Et bah voilà, j'ai bien fait, hein, bah voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire ça. Et puis, c'est déjà bien. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Est-ce que t'as des flèches, un sort de zap? Regarde, là il envoie le sort de zap là. Boum, ça me tue pas mes hordes de gargouilles. Pof, plus de géant. Et ouais, et là qu'est-ce que tu fais? Hein? Ça aurait servi à rien ton sort de zap. Voilà, donc venez pas me dire que sort de zap il est la meilleure carte du jeu. Enfin, elle est la meilleure. Non. Ce n'est pas la meilleure carte du jeu. Loin de là. C'est pas parce que les grands l'utilisent, les meilleurs l'utilisent, que c'est forcément une bonne carte. Hein. Ils peuvent très bien. Enfin, tu sais, il y a sept autres cartes dans le deck. Et donc, du coup, ces 7 autres cartes peuvent très bien le sauver. Hein. C'est peut-être ça qui fait qu'il gagne. Hein. Et ouais, c'est ça, il faut y penser, ça. C'est pas parce qu'il utilise le sort de zap que forcément elle est super cool, quoi.
Non mais bon, hein. Il aura beau mettre n'importe quelle carte, s'il a des autres cartes qui l'aident, et ben voilà, bon. Après c'est sûr que dans certaines situations, qui sont assez rares, quand t'as une tour de l'enfer, voilà, mais bon, généralement tu peux essayer de la contrer assez facilement à tour de l'enfer. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a certaines situations, mais elles sont vraiment pas nombreuses, quoi. Enfin bon, j'ai rien que te lire, bon voilà, quoi, c'est rare, quoi. Attends, je suis en train de me faire défoncer là, non? Hein? Vieux problème! Non, mais c'est pas très. Ça arrive. Il y a des fois, ça arrive, on se fait exploser comme ça. Bon, c'est. Ouais, ça arrive, c'est pas très grave, mais. Dis donc, je vais le rattraper de toute façon, donc je m'en fous! Mais c'est vrai, quand même, il a moyen, quand même, avec son cochon et tout, là, de me faire bien mal. Hein. En plus, il a sa boule de feu, là. Ah, mais qu'est-ce que j'aime pas la boule de feu? Ah, ouais, mais à chaque fois, ça me tue tous mes troupes, là. Je peux te le dire que. Surtout avec mon niveau 5, là, mais qu'est-ce que ça m'énerve? Oh là là! Vas-y, c'est parti! Hop là! Une tour en moins! Boum! On lui laisse la tour, et puis c'est fini! Bah oui! Tranquillou, bah, c'est parti, on envoie la horde de gargouille, on envoie le petit prince ténébreux, mais de toute façon, on a gagné! Bah ouais, mon pétail! Deux petites couronnes, et ça. Ça fait plaisir. Et c'est parti, petite ouverture de coffre à couronne. Attention, déchets, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vu la chance que j'ai eue, je pense qu'il y a moyen d'avoir du bon quand même. Hein. Dans 469 d'or, c'est déjà pas mal. 4 gemmes, c'est déjà pas mal. Attention. Ouh, une méga gargouille. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça, une méga gargouille. 6 golems de glace. Et 56 esprits de glace. Youpi. Eh, mais t'arrêtes avec tes trucs de glace, là. C'est pas possible, ça. Et attention. Oh, un prince ténébreux, les gars. On va pouvoir l'améliorer. Attention, est-ce qu'on peut l'améliorer maintenant? J'ai envie de te dire que... Est-ce qu'on l'améliore maintenant? Tu sais quoi? Je vais le garder pour demain. Ouais, je le garde pour demain. Je suis un fou, moi. Demain, 3 attaques. Petite amélioration de prince ténébreux. C'est balti. Bon, donc du coup, bah, demain, voilà, on va faire 3 petites attaques avec le prince ténébreux niveau 3, les gars. Niveau 3. Ça fait plaisir. Bon, du coup, bah voilà. Et franchement, pack opening, ça fait longtemps que j'avais pas fait un bon pack opening comme ça. C'est bon, ça. Généralement, c'est que j'ai des troupes pas trop géniales, tu vois. Enfin, c'est pas qu'elles sont pas géniales, c'est que j'utilise pas vraiment, tu vois. Moi, du moment où j'ai pas ces troupes-là, c'est pas mon délire, tu vois. Bon, en attendant... Ce que je vais faire, c'est que, bah, du coup, je vais aussi sur ce. Voilà, on se fait un petit pack opening assez sympathique. On s'est fait 3 petites attaques assez sympathiques. Non, c'est pas du tout ça. 2 petites attaques assez sympathiques. Et on a fait le petit coffre à couronne, histoire de bien terminer. Et donc, du coup, bah, je vais aussi sur ce. Je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool!